C'est marrant, Anna. Sophie, je pense à Anna, parce que Anna est le mannequin de Sophie aujourd'hui. Sophie qui va nous ouvrir les yeux. C'est marrant, on a parlé du mur de Berlin, de la construction du mur et de la démolition et de la construction des murs en général. Eh ben, honneur est fait au bleu de travail. Je vais vous parler bâtiment. Ouais, c'est ça. Je vais vous parler bâtiment. Et il se trouve qu'on ne s'est pas concerté avec Anna Reynard ce matin. Et regardez comment elle est habillée aujourd'hui. Magnifique, déjà, comme d'habitude. Voilà, magnifique comme d'habitude. Regardez. Voilà, pile poil. La combinaison, on est habillé en deux secondes. Marche un petit peu, marche un petit peu. Et est-ce qu'on n'est pas bien dans une combinaison? On est si bien dans une combinaison, Sophie. Voilà. Tournez, mon petit, tournez. Bien sûr. Tournez, j'adore. Vous faites ça magnifiquement bien. Tournez, mon petit, tournez. C'est magnifique. Alors, comme on peut le constater, la combinaison de travail est de retour. Hein, magnifiquement bien portée par Anna ce matin. Mais on voit à quel point aujourd'hui les créateurs s'intéressent à cette combinaison. Vous avez parlé tout à l'heure d'Agnès B. justement de la problématique de la fast ou high fashion. C'est-à-dire que quand on achète un t-shirt, 2, 3 euros, bon, on peut se poser la question de la fabrication. Eh bien, aujourd'hui, on a envie de collections plus pérennes, plus durables, plus solides. Et d'ailleurs, la petite veste de Gabrielle Chanel, la fameuse veste hein, en fait, emblématique de Chanel, c'était la petite veste de Bounia. Voilà, ça vient de cette petite veste de Bounia. Et Gabrielle Chanel elle-même voulait une chose quand on pensait aux vêtements, elle parlait du confort, parce que les femmes bougent beaucoup. On l'écoute. Le corps humain bouge tout le temps, même quand on ne voudrait pas bouger. Voyez-vous, en ce moment-ci, j'aimerais ne pas bouger, vous parler calmement, ça m'est très difficile. Je bouge sans arrêt. Eh bien, si j'avais un costume qui me gêne, je ne bougerais pas. Parce que j'aurais peur qu'il se déplace. Eh bien, le mien, ça m'est égal. Il peut ne pas se déplacer, il peut se déplacer, il peut faire ce qu'il veut. Tiens. Elle a raison, elle était amusante, mais c'est tellement vrai, on se déplace tout le temps, on est bavarde, hein, on bouge. Voilà, je suis bavarde. Je ne vais pas parler trop longtemps, vous allez voir. Donc, résultat des courses, on a besoin donc de vêtements dans lesquels on se sente bien, de ces vêtements pérennes. Et encore une fois, avec ce souci de fabrication, je vous le disais, le vêtement de travail est de retour. Et Louis-Marie de Castelbajac a créé une collection capsule avec Lafon. On regarde, on l'écoute. Aujourd'hui, nous cherchons de l'esthétisme, certes, sans lésiner sur notre confort et le côté pratique. Le vêtement se doit d'être fonctionnel. Rien de tel que le bleu de travail, uniforme pour mêler ces différents aspects. Pratique, esthétique et sexy. Le bleu de travail et par extension l'uniforme se sont régulièrement invités dans nos armoires pour représenter un message politique, humoristique ou signer l'appartenance à un groupe. Vêtements de travail, la tendance est de retour. J'ai vraiment un sentiment qu'il y a un retour du vêtement de travail parce que, notamment, une des choses qui est les plus percutantes, c'est vraiment cette intemporalité, cette sorte de confort, même un confort psychologique, aussi un confort esthétique. C'est quelque chose qui, pour moi, est de l'ordre du... comme un vêtement presque idéal et presque parfait. Dans l'usine de confection de vêtements de ma grand-mère, les gens portaient du Lafon. Ce que j'ai voulu essayer d'amener dans le vêtement de travail, c'est vraiment la part d'originalité, de ludisme, en fait, de dire que le vêtement de travail, hormis être fonctionnel, durable et avoir toutes ses utilités, peut être ludique, sexy, cool, contemporain et aussi s'inscrire dans quelque chose de poétique, en fait. On va regarder aussi, alors ça, pour le coup, donc on parlait de cette fameuse combinaison qui est quand même une pièce emblématique. Et là, donc, coloris d'été. Voilà, coloris d'été, exactement. Et voilà, ce qui a été voulu, donc là, c'était vraiment l'évocation des poètes de la mer. Et donc, on était plus parti sur l'aspect signalétique. Et là, on vous repère, c'est sûr. Ouais, c'est... Nous sommes vraiment sur un vêtement 100% recyclé. Donc, notamment, Cépovette, qui est la maison mère de Lafon, fait des uniformes, donc de l'armée, une partie des uniformes. Et typiquement, on le décompose, notamment on décompose la fibre. Et après, donc, on en refait un vêtement et une nouvelle fibre. Et donc ça, on a fait une deuxième vie d'un vêtement. Ce qui est beau avec ce vêtement-là, c'est qu'il vient ponctuer une silhouette. Facile à sortir, durable et élégant, le vêtement de travail, au boulot ou pas, ne va pas s'arrêter là. Bon, et voilà le travail, comme on dit. Vous avez aimé, hein, ça. Ben, j'adore. D'ailleurs, vous allez venir bientôt en combinaison. Mais j'ai chez moi, mais bon, c'est très saillant, n'est-ce pas? Mais
C'est pas pour vous, non. Bon, alors, oui. Petite info essentielle hein, quand même pour conclure. Je m'adresse surtout aux dames ce matin. Ça va révolutionner votre vie, cette histoire. On a parlé du vêtement utile, pratique. Olivia, vous aimez les bodys? J'adore. Voilà, moi aussi j'aime les bodys, mais le body, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours confortable. D'où une nouveauté extra... Ah ben si, c'est pas facile, il faut l'enlever, Laurent. Il faut penser au petit moment où on va aller aux toilettes, par exemple. Il faut voilà, ôter facilement son body. Le body culotte, une révolution aujourd'hui quand on parle de vêtements pratiques, puisque comme vous pouvez le voir, c'est un body qui se clipse et se... Je sais, j'ai le compteur qui tourne. Et se déclipse, mais regardez. Ça. Donc, on a vraiment une culotte. Voilà, moi, je le porte aujourd'hui sur moi. Je ne vous ferai pas la démo, mais c'est extraordinaire. Et du coup, c'est, voilà, on déclipse, en fait, au niveau de la taille. Et hop, voilà, on est en culotte, en body, t-shirt. Vous magnifique. Savez que ça se fait du côté des cirés et des tenues de survie en mer. Hein. Oui, mais d'où l'intérêt. On n'a rien inventé avec le body. C'est pratique. Et si vous voulez l'acheter, c'est chez Damar. C'est une collaboration marque française, Damar et Albertine. Fait.